voir ce qu'on va manger là-bas, si on va rester keto friendly ou pas. Cette semaine, j'ai mangé ce pain. C'est une découverte pour moi. Fait à base de blanc d'œuf, essentiellement. Pratiquement pas de glucides. J'ai mangé ça tous les jours. Cette semaine, j'ai décidé de faire le Protein Sparing Modified Fast. Ça, c'est en anglais. En français, je ne sais pas trop comment on traduit ça, mais je pense que c'est l'équivalent du régime du camp. J'en sais pas trop c'est quoi le régime du camp, mais quand j'ai tapé sur le Google, j'ai vu que c'était l'équivalent. Donc, dans ce programme, on diminue les glucides toujours, on mange un peu plus de protéines et on mange pas trop, on ne consomme pas trop de gras. Donc, ici, j'ai découvert un pain. Texture vraiment bien. Ça, c'est un pain zéro glucide. Pain zéro glucide. Aujourd'hui, je suis au bureau et j'ai le goût de manger le hot dog. Je ne mange pas souvent ça. Mais aujourd'hui, j'ai dit, ok, je vais manger ça avec un œuf et mon pain. Juste de fraises et ça, c'est des condiments. J'ai mon ketchup sans sucre ici et ici, j'ai moutarde et j'ai ma petite boisson sans sucre aussi, boisson énergisante, mon eau et le pain que j'ai fait. Un jour, je pourrais faire la démo, mais il y a des vidéos sur ça sur YouTube, vous pouvez trouver. Donc, c'est ça que j'ai fait et j'ai gardé ici. Donc, une tranche, c'est environ 30 calories. Et il n'y a pas de glucides, donc avec ça, on peut manger du pain chaque jour sans avoir des craintes. Et c'est très doux, c'est fait essentiellement avec du blanc d'œuf. Donc ça fait avec du blanc d'œuf et la protéine de blanc d'œuf. Donc c'est comme on dit, zéro calorie, pas zéro glucide. Donc c'est ça aujourd'hui ce que je vais avoir au bureau. C'est une journée remplie, vraiment remplie. Je rentre tard par rapport à mes prévisions. Mais c'est ça. Quand je vais au bureau, c'est chaque fois ça a son histoire. Nachos ce soir. Nachos. Moi j'ai taco salade. C'est avec la laitue. Et les autres ont des nachos. Très excitée de mon lunch aujourd'hui. J'ai fait un keto BLT. Ça, c'est mon pain sans carbs, sans glucides. J'ai mis la salade, le restant un peu de le restant de salade d'hier, un peu de tomate, du bacon. C'est ça. J'avais aussi un restant de friture. Et je me suis encore fait une tranche avec du beurre d'arachide. J'ai le goût de manger ça. Et je suis sans crainte parce que une tranche de ce pain, c'est 30 calories. Donc les trois tranches, je suis même pas à 100 calories. Ça, c'est une belle découverte. Et j'ai mon petit smoothie avec une fraise et demi, je pense. Deux fraises. Une ou deux fraises. Environ deux, oui, deux. Et voilà. Miam. Ce soir, c'est la viande émincée au brocoli avec du riz chou-fleur. Les autres, ils ont eu du riz normal. Donc, voilà. C'était super. Après, je me suis fait une marche. J'ai le goût de faire la marche. Mais c'est pas toujours évident avec mon pied. Donc, mais parfois je me force. Donc, je sors souvent le soir et je fais une petite marche.
J'ai différents parcours, différents trajets. Et je m'amuse aussi à regarder parfois les petits jardins que les gens font, comme ici, tout à fait joli. C'est très, très joli. Je n'ai pas l'énergie ni le temps de le faire, mais j'aime voir pour les autres. 10 000 pas, yeah! Aujourd'hui, c'est mes œufs 5 avec du bacon et mon pain magique et du smoothie. C'est une journée chargée au travail, donc je mange vite, vite, vite parce que je vais reprendre. Donc, c'est ça pour le premier repas. Aujourd'hui, c'est la lasagne. Moi, je mange pas la lasagne et j'ai pas voulu faire une lasagne keto ou quoi. Je vais simplement manger de la viande avec du wrap et l'avocat, tout simple. Donc ici dans ce wrap, il y a de la viande. C'est assez carnivore ce que je mange aujourd'hui. Et le wrap en question, c'est ça, c'est le wrap aux œufs. C'est juste 30 calories et c'est fait avec des blancs d'œufs. Vous voyez, il y a 0 g de glucides. Donc, c'est une autre option. J'ai acheté ça au Costco. Donc, c'est ça que je mange. Yummy. Aujourd'hui, vendredi, un de mes favoris, ce sont les crêpes avec un petit peu de fruits. Et j'ai mon reste de viande d'hier. Je n'ai pas pu terminer. Ça, c'est du bacon que mon mari a fait et il n'a pas terminé. Donc, j'ai un petit peu les restes et c'est juste ces crêpes que j'ai fait. Yummy. Yep, yep. Samedi après-midi, une petite sortie. Je vais voir ce qu'on va manger là-bas, si on va rester keto friendly ou pas. Donner le goût d'adopter un chien. Les pôles ne mangent pas beaucoup de... Et ils sont plus à checker. Et bien hier, ça n'a pas du tout été keto. Comme vous avez pu le voir, il y avait des bonnes choses, mais qui n'étaient pas keto. Il y avait certaines choses quand même qui étaient keto. Donc si je voulais manger strict keto, j'allais pas manger par exemple du pain, j'allais juste manger l'avocat guacamole, j'allais juste manger la viande sans riz, sans accompagnement, j'allais juste manger le poisson sans accompagnement du tout. Mais j'ai choisi quand même de manger un petit peu de tout, de ne pas faire de pas faire l'intéressante. J'ai quand même mangé de tout ce qu'on m'a proposé. Mais depuis ce matin, je suis allée au sel plusieurs fois. J'ai le ventre qui tourne. Je ne sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est autre chose. Donc, en tout cas, si c'est pour sortir tout ça, c'est tant mieux. Donc, c'est à ça que ma semaine a ressemblé. Demain, on va commencer une autre semaine. Et puis, on va essayer d'être un peu plus focus. Et l'aventure se poursuit. C'est pas une histoire d'une journée, mais c'est vraiment de comment est-ce qu'on s'alimente jour après jour, les choix santé qu'on fait. Et si de temps en temps on sort de là, ben on va pas faire tout un drame, on va juste se reprendre et continuer. Donc c'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé le contenu, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager à une personne si ça peut aider. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir. Que du bon. À bientôt. Bye bye.